pays voisin qui fait gagner au président qui a traité nous de shit ball country. C'est fait mandat nous-mêmes. Il y a parlé de l'administration qui a pris. L'administration qui passait à. Dans le jeu, on conduit diplomatie en Haïti, on fait nous ouais cette poulet à l'ancienne. Peuple haïtien doit comprendre que demain, c'est pas fait de la fête, mais il faut prendre la rue ensemble pour nous mettre les voix, nous, avec tout le monde qui subit violence sous pouvoir ça. Pour nous mettre les voix, nous, avec tout le monde qui a une famille qui kidnappe Kembe jour et jour. Tout le monde, G9 et allié, kidnappé, tué. Toute famille, ça. Suspendu ou pas, ça va garder, ce n'est pas vous-même qui prend pour. Nous demandons demain, nous tous, pour nous lever voir nous ensemble. Pour nous marcher, pour nous envoyer un message par une nouvelle administration. Nous prenons les campés devant l'ambassade américaine pour nous lire un message. Pour nous dire, nouvelle administration qui a fini la démocratie. Nous bouquons vivre sans dignité, le pouvoir actuel là a conduit bas pays. Nous bouquons vivre avec les gens qui font de kidnapping, les outils politiques pour nous faire même bouche opposant. Nous besoin de les voir nous ensemble, étudiants, marchands, chômeurs, professionnels santé, professionnels droit. Toute couche sociale, nous demandons de lever voix à pas nous-mêmes comme politique. Parce que je vous dis à nous dire nous voulons supporter toute organisation qui lance des manifestations et nous-mêmes nous avons des manifestations. Mais, vous ne pas acheter la caoua, c'est bravo. Parce que vous ne pas sentir douleur, vous nous kidnappé. Parce qu'on parle de la saline. Parce qu'on parle de pont rouge. Parce qu'on parle de Bel Air. Ce n'est pas où vous coupez avec manchette, ce n'est pas où même vous les caillou. Mais il y a pour les cailles pour tout, il y a quoi ce que vous bien. Il y a privé son oui. Sous pas campé, ou même tout, jeune femme, jeune garçon, sous pas campé, demain, ensemble, main en main, pour nous aller en moué. Dans toute la vie, pour nous aller en moué, nous bouquer. Nous bouquer. Je ne peux pas nous attendre. Ça nous connaît que pas qu'à attendre. Mais. N'a pas relé pour que décide un monde qui met lui. Dis-le. Maintenant, fini. N'allez pas qu'être 7 février 2020. C'est ça nous prenons le dire tout parcours manifestation. Et nous demandons tout peuple haïtien dans 4 coins de pays. Mais les voix nous pas nous, nous-mêmes politiques. Pour nous dire Abraham, c'est passé. Merci. Objectif mobilisation. C'est-à-dire, la manifestation de l'Union, il y a 2 objectifs importants pour nous. Premier objectif là, c'est rappeler une autre fois à tout Haïtien et à tout le monde dans la communauté internationale là, que je dis là, il y a un régime insupportable qui marchait sous constitution, qui marchait sous toute valeur, toute légalité. Et un régime qui lui-même a marché sur toute valeur républicaine. Le régime ça a nous bouqué avec. Objectif là, c'est très clair. Constitution que le président Jovenel Moïse a prêté serment en bas là. Et qu'elle a gagné pour le faire respecter là, il dit très clair. Mais qu'il est mandat commencé et mais qu'il est fini. Donc, je dis ça pour clair pour tout le monde, 7 février 2021, mandat fini. Objectif là, sont 20 pour 20. 20 janvier, c'est côté effectivement nouvelle administration américaine là, et bien pour monter. Dès qu'il y a une administration qui est là avec Donald Trump, il était traité haïtien de tout le monde. Il était tourné bois des bonhommes régime. Corrompu sans pareil ça. Administration ça, lui fait mes yeux sur un régime qui marchait sur toute loi pays. Lui fait mes yeux sur un régime qui massacre le monde dans presque tout côté dans le pays. Régime ça, ancienne administration de la sous Donald Trump là, lui fait mes yeux
sous Jean administration Jovenel Moïse là, cancérisé le pays, mettez de l'eau dans les yeux de tout haïtien, avec le pays, craser toute institution dans le pays. Et puis je toute bénédiction ça clairement, surtout dans l'administration Donald Trump. Et bien, l'objectif ça, nous vous dit très clairement que l'administration président Biden, nous ne sommes pas capables d'accepter qu'elle vienne plonger en l'an pour ta faire les choix, pour ta soutenir au régime aussi corrompu, aussi insupportable. Les Haïti ont des problèmes. C'est tout pays dans la région qui a des problèmes, et surtout les États-Unis. Je dis à nous voulons dire 20 janvier, même Jean pour nous reconnaître que nous ne pouvons pas supporter l'administration Jovenel Moïse là. Et bien, je dis à nous dire très clairement, administration démocratique, haïtien attend que vous fait preuve, que vous avez respect pour le droit de monde, que vous avez respect pour Haïti, pays maman liberté, que vous avez respect pour chaque haïtien qui a vu sous bout de ça. Régime Jovenel Moïse, il marchait sous droit, nous, sous droit tout haïtien. Je dis à nous pas croire que l'administration américaine, et je dis à qui toujours fait tête au passé comme champion dans soutenir la démocratie, il n'est pas capable de venir jarrer à un régime qui est déjà plongé dans la dictature. Donc, objectif là très clair demain, hein, tout haïtien vous réveiller, continuer la mobilisation pour respecter 7 février 2021. Et deuxième objectif là, nouvelle administration américaine, notre direction politique a nous dit bienvenue parce que pas de aucun droit, il n'y a aucune moralité éthique pour nous continuer à soutenir un régime corrompu, insupportable, criminel qui termine dans le pays depuis que nous avons été là. Merci. Gros engagement qui Biden a pris avec la communauté américaine dans Floride, nous changeons ça, les Biden a mis à tête. Pour dire que nous parler avec le peuple haïtien pour dire que nous avons excuses par rapport avec tout ça, on est peuple noir, à victime de mon peuple haïtien qui symbolise le peuple noir. Mais pas pour avoir le sénateur John Palé, pas pour avoir Sean Mas, tout le monde a rassemblé Sean Mas, le monde qui a sorti Kafou, qui a sorti Kafoufei, qui a sorti Pelé, etc. Il y a descendu en masse, il y a monté sur la rue, il y a viré en bas lumière rouge et là, à une station, a déjà un groupe qui l'a déjà, tout partisan a eu tout l'autre groupe monde et du pot, etc. Il y a déjà en bas lumière rouge et il y a dirigé aussi une maison, le gars rejoindre tout le monde en bas, Carrefour aéroport, en bas Carrefour de résistance. Et le monde qui a sorti Pétionville a descendu sur et Delma, il y a ramassé tout le monde. Et les gens qui sont de la 12, Badelma, a venu en bas de la Foua. Et tout le monde qui est de la 12, Badelmouke, Tabam, etc., tout le monde sait qu'il y a préjoué dans la Kafou. Il n'y a pas ça? Il pas sénateur. Sénateur, il y a un peu de dans la Kafou. On a plein de préjoué ensemble avec nous. Nous voulons profiter de l'espace ça et pour nous remercier Frère Action dans la diaspora, nous-mêmes qui vivons à distance souffrance peuple haïtien, nous-mêmes qui observé et qui victime tout parce qu'en pile dans nous, ils ont décidé d'entrer en Haïti puis ils viennent passer une petite vacances. Et bien nous connaissons, en pile là-dedans, ils ont kidnappé, en pile là-dedans, ils ont assassiné parce qu'ils ont accepté de faire une famille en Haïti. Et ils n'ont pas prêté Croisibois, ils ont même tout impliqué dans la bataille pour faire respecter les droits de l'homme en Haïti. Ils ont même tout répondu présent à travers mobilisation qu'a fait non seulement en Haïti, mais ils mobilisent tout dans la diaspora. Ils mobilisent dans le Canada, aux États-Unis, en France, en République Dominicaine, Chili, diaspora est présente.
et aux États-Unis puisque il y a des élections pour changer l'administration américaine, mais nous sommes capables de voir avec un engouement haïtien qui a diaspora, nous devons camper, de participer dans l'élection et de conditionner la présence pour que la nouvelle administration américaine soit capable de venir supporter la démocratie en Haïti, mais pas supporter corrompu, assassin, criminel, sans famille. Nous reconnaissons que Biden a fait un acte de présence dans la Floride et bien te mettre à genoux devant la diaspora haïtienne. Parce que dans l'administration Obama, nous estimons que le mal que fait avec Haïti lorsque vous avez commencé par vous-même à supporter le pouvoir PHTK qui est un pouvoir corrompu et nous connaît Biden qui est vice-président de la donne. Il y a plus de reproches de diaspora dans Floride et vous mettez à genoux devant vous pour dire la responsabilité en main pour la renforcer la démocratie en Haïti. Renforcer la démocratie en Haïti, c'est dire non avec violation de la monde. C'est dit non avec kidnapping qu'a fait en Haïti. C'est dit non à corruption qu'a fait en deux pays. C'est exiger que Jovenel remette mandat qui finit le 7 février 2021 selon article 134.2 Constitution. Donc, administration Biden, non, à travers l'équipe qui a coordonné la campagne, et bien, prend conscience de ce qui a passé en Haïti et vous promet. Il va renforcer la démocratie. Et la démocratie qui était pour journée, mais elle va continuer à fleurir. Donc nous disons merci. Et demain, si vous avez, peuple haïtien, il a sorti non seulement pour accueillir Biden à midi, 4 ans à être aux États-Unis, mais pour dire Biden, nous attendons pour poser pion en Haïti pour montrer tout le monde que ça a été promis de diaspora. Ou à venir faire, ou à venir renforcer la démocratie en Haïti. Donc tout le monde, vous invitez demain matin devant l'ambassade américaine.